Vous annoncer des choses. Il a planifié des choses.
mes serviteurs. Vous avez conduit ce canal-là dans un moment de jeûne et prière. Quand il est usé, il veut les utiliser. Je ne permettrai pas. Je ne permettrai pas. Oui, je suis enflammée de colère contre lui. Je ne permettrai pas. Vous devez la conduire dans un moment de jeûne et prière. Oui, il veut semer aussi sur les enfants. Il veut semer sur les enfants. Il veut semer sur... Vous devez prier sur tous les enfants. Même les bébés. Même les bébés. Oui, il veut les utiliser contre moi. Il veut les utiliser contre moi. Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous marchez dans la vérité. C'est pourquoi il veut utiliser les enfants contre moi. Mais je ne permettrai pas. Il a tant fait. L'ennemi a tant fait. Il a tant fait contre mes enfants. Il a tant fait. Il sème la honte. Il sème la honte. Il sème la honte dans mon cas. Mais je lui prouve que non, 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 c'est moi qui règne. Je règne. Je règne. C'est mon peuple. Il m'appartient. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi il veut semer parmi mes peuples? Ils sont nombreux. Mon peuple est nombreux. Oui. Dans des nations, d'autres sont cachés. Mais je vais les faire sortir. Je vais lui prouver que c'est moi, le grand guerrier. Je combats pour vous. Et je combattrai pour vous. Et je combattrai pour vous. Je vais lui montrer qu'il ne peut rien contre moi et contre mes serviteurs. Oui, il veut semer l'amour de l'argent dans leur cœur. Mais je les ai prévenus. Je les ai prévenus qu'il a déjà un plan contre mes serviteurs. Mais il ne peut pas. Il ne peut pas. Parce que je suis avec eux. Oui. Ce que je vous dis, je vais vous le faire voir. Ce qu'il a planifié. Oui. L'amour de l'argent. Les choses périssables. Pourquoi? Pourquoi tant de haine contre mes enfants? Contre mes enfants, contre mes bien-aimés. Je les aime. C'est moi qui les a préparés depuis tant longtemps. Depuis longtemps, je les ai préparés pour mon service. Il veut venir semer de l'amour. Quel amour? L'amour de l'argent. L'amour de ce qui va périr. Non, je ne permettrai pas. Je ne permettrai pas. Oui, il veut faire tant de sacrifices. Il veut faire tant de sacrifices. Mais n'ayez pas peur, car je suis avec vous. Je suis avec vous. Priez sur vos enfants. Priez pour eux. Ne les laisse pas. Oui, il veut les utiliser. Il veut utiliser les enfants. Pourquoi? Pourquoi? Contre moi. Contre moi. Non. Mes serviteurs, je vous fortifie. Je vous fortifie. Soyez fermes. Soyez fermes. Soyez fermes. Ne quittez pas la voie. Ne quittez pas mon chemin, car je suis avec vous. Soyez ferme. Montre-lui que non, il n'est rien. Il n'est rien. Son pouvoir n'est rien.
son pouvoir n'est rien. Il ne peut se tenir devant ma face. Lui-même, il le sait. Lui-même, il le sait. Il ne peut pas se tenir contre ma face. Il le sait. Soyez fidèles. Soyez fidèles. Aimez-vous les uns les autres. Soyez fidèles. Manifestez l'amour. Surtout l'amour. 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 Et il ne pourra rien vous faire. C'est dans la haine, dans la colère. Il trouve à faire sur vous. Mais je vous dis à partir d'aujourd'hui de manifester l'amour, la joie partout où vous êtes. La paix avec tous, même ceux qui vous persécutent. Car ils ne seront jamais fatigués tant que vous marchez dans la vérité. Ils ne seront jamais fatigués. Et moi aussi, je ne lui permets pas. Je ne lui permettrai pas de se jouir de vous. Car je vous ai préparé depuis longtemps pour mon œuvre. Soyez fermes. Soyez fermes. Ne cédez pas. Ne cédez pas. Même une seconde. Mon peuple, préparez vos âmes. Préparez vos âmes pour le combat. Le combat, le grand combat vient. Le grand combat vient. Préparez-vous. Préparez-vous. Ne dormez pas. Et vous, ceux qui dorment, préparez-vous. Car il est rusé. Il est rusé. Il est rusé. Préparez-vous au combat. Mes serviteurs, soyez unis pour toujours. Soyez unis. Je parle à mes serviteurs. Mon serviteur Moïse, sois ferme. Sois ferme. Ne te loigne pas des autres. Ne te loigne pas des autres. Oui, car je te prépare. C'est moi. Oui, le moment venu, je vais te montrer que je suis avec toi. Ne te loigne pas d'eux. Ne te loigne pas d'eux. Et, oui, oui, oui. Ne te loigne pas d'eux. Je parle à mon serviteur Moïse. Oui. Oui, soyez unis, tous, tous, pour convaincre l'ennemi. C'est votre union, c'est votre union. Oui, car je suis avec vous, je suis avec vous. Priez pour les femmes qui sont enceintes. Les femmes enceintes, priez pour eux. Priez pour eux. Car les enfants qui sont dans le ventre, je vais les aider puissamment. Puissamment, je vous le dis. Puissamment. Priez pour eux. Je suis là. Je suis avec vous. Je suis au milieu de vous. Ne craignez rien. Ne craignez rien. Ne craignez rien. Ceux qui marchent encore dans l'ignorance, repentez-vous. Repentez-vous. Il est temps. Il est temps. Il est temps de vous repentir. Ne venez pas dans le troupeau avec des souillis. Avec des souillis. Repentance. Repentez-vous. 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 Oui. 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 Oh non, pourquoi? Pourquoi? Ces enfants, je les aime tellement.
prier et jeûner pour ses enfants. Que chaque parent prie pour son enfant. Déjà à la maison, avant qu'il ne vienne à l'église, les serviteurs aussi feront pareil. Aucun complot ne viendra. Aucun complot ne viendra pas. Jamais. Je marque mon sceau sur ses enfants. Partout où vous serez, ma lumière vous distinguera. Où est l'enfant boiteux qui est dans la maison, mon enfant? Tu as quoi, mon enfant? Viens à moi. Cet enfant est mon serviteur. Mon serviteur. Il pleure de souffrance. Il dure chaque nuit. Femme, prie pour ton enfant. Prie pour ton enfant. Et sois ferme. Ne doute pas. Ne doute pas. Ne doute pas, car je suis ici. Je suis ici. Ne doute pas. Bientôt, il va marcher. Non, ne le prends pas. Laisse-le. Bientôt, il va marcher. Il est mon serviteur. Il va évangéliser avec ses frères. Il marchera. Il marchera. Il marchera. Je ne suis pas un Dieu faible. Je suis le Dieu des vivants. Il marchera. Tu le crois? Est-ce que tu le crois? Tu le crois? Oui, je le crois, Seigneur. Tu le crois? Oui, je le crois, Seigneur. Toi. Je mets en toi une femme, une foi puissante. Parce que tu as le doute, tu doutes. Mais ne doute plus. Garde-le bien. Garde-le. J'ai si mal. J'ai souffert pour vous. J'ai souffert pour vous, mes enfants. J'ai souffert pour vous. J'ai coulé mon sang pour vous. J'ai coulé mon sang. Pourquoi êtes-vous aussi méchants? Vous qui venez dans ma présence avec des esprits impurs, pourquoi? Je vais vous dévoiler. Mes serviteurs, dites à mon serviteur, l'évangile Jean Gratien, du Séraphim, plus de complaisance. Plus de complaisance. Car désormais, si vous venez ici, il y aura du changement en toutes choses. Du changement. Dès le début, en même temps d'une âme, s'il est possédé, aussitôt venu, aussitôt il sera dévoilé. Il sera dévoilé. Ne donnez pas du travail à mes serviteurs, car je les ai consacrés pour gagner des âmes. Pour gagner des âmes. Vous voulez tenter ces serviteurs, voir s'il y a une puissance en eux. Les apôtres aussi ont connu tout cela, mais je les ai fortifiés
Pareil, je fortifie mes serviteurs. Je les fortifie. Je les fortifie. Je les fortifie. Je les fortifie. J'augmente encore plus la force. La force, la croyance en eux. Désormais, désormais, dès que vous mettrez vos mains sur des boiteux, ils marcheront. Ils marcheront. Les malades guériront. Parce que désormais, ici, je vous l'ai dit, ici, je règne. Je règne. Tous ces complots contre vous sera nul et sans effet. Amen. Nul et sans effet. Amen. Car vous puissiez tout par celui qui vous fortifie. Amen. Je vous fortifie. Vous qui êtes amis de calomnie, vous faites la calomnie dans ma maison. Je vais vous dévoiler aussi. Vous, des femmes menteuses, vous mentez. Vous mentez. Vous vous asseyez. Au lieu de prier, vous mentez. Vous mentez. Comment vous pouvez mentir et prétendre que le Saint-Esprit est en vous? Comment? Femmes, vous les femmes des serviteurs, je vous ai placées à côté d'eux pour les fortifier et non les affaiblir. Vous devez prier pour vos hommes, pour vos femmes. Pourquoi vous êtes tout le temps à calomnier? Pourquoi? Ces femmes se connaissent. Priez, jeûnez pour vos hommes, pour ces serviteurs qui sont devant le peuple de Dieu. Chaque jour, vous devez jeûner et prier parce que l'ennemi rôde toujours autour. Mais moi, je suis avec eux. Je suis avec eux. Ne venez pas dans ma maison pour jouer les saints. Dans vos maisons, je suis avec vous. Je vous vois en secret. Je suis avec vous. Je vous vois. Toi, femme, qui quitte cette maison et qui va encore dans une autre église, la voilà, je te vois. Je te vois. Répands-toi. Répands-toi. Tu as été tiré. Tu as été tiré. De cette voix aussi sombre, je t'ai mise à la lumière. Répands-toi. Elle se connaît. Répands-toi. Mes serviteurs, restez unis. Restez unis. Restez unis. Les chantres, restez unis. Restez unis. Restez unis. Restez unis. Mon esprit règne au milieu de vous. Mon esprit règne au milieu de vous. Je suis triste parce que ces âmes que ces personnes ont attirées. Je suis triste. Pourquoi vous faites ça? Ils ont réussi à détourner beaucoup d'âmes. Dites à ma fille Salomé de revenir. Je lui prépare une chose très surprise. Je lui prépare une grande surprise. Dites à ma fille Salomé de revenir. Elle a beaucoup de choses à dire. Qu'elle revienne ici. Car c'est ici que je lui ai montré des grandes choses. Qu'elles reviennent. Et tous ceux qui sont partis, faites tout pour qu'ils reviennent. Car je vous demanderai leur sang. Leur sang, je vous le demanderai qu'ils reviennent eux tous. Toutes ces chaises qui sont vides. Il n'y a que des anges qui sont assis. Êtes-vous heureux que des anges s'asseyent sur vos places?
Ces gens sont là pour vous accompagner. Mais vous, vous devez venir encore. Car il y a encore beaucoup d'âmes encore à gagner. Et ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous qu'ils viendront. Ce n'est pas vous qui viendront. Ce n'est pas vous qui viendront. Allez évangéliser. Encore. Dites à mon serviteur, l'évangéliste Gracien, qu'il y a un grand complot, un très grand complot, déjà dans l'église et même ailleurs. Je vais vous montrer par les signes toutes ces personnes qui sont à la base de ce complot. Et dans le monde, je vous l'ai montré une fois quand vous étiez en voyage. Je vais encore vous montrer encore beaucoup de choses. Il y a un très grand complot qui s'élève contre mon groupe, contre mon peuple. Mais je vais vous montrer tout. Pas des signes. Pas des signes. Je suis devant ce réveil. Aucun homme, aucun esprit ne pourra détruire ce réveil. Car moi-même, je suis devant ce réveil. Je vous l'ai dit une fois, n'échouez pas. N'échouez pas! 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 Beaucoup de choses viendront encore. Beaucoup de choses. Beaucoup trop de choses viendront encore. Beaucoup viendront encore. Après ce grand complot, un autre complot se prépare. Beaucoup de choses, car le monde est ténèbres, ils ne sont pas heureux. Ils sont en colère contre vous. Mais vous amusez. Mes enfants, vous amusez. Vous êtes là à mentir, à calomnier. Pourquoi? Priez! Priez! C'est pas le moment. C'est pas le moment. C'est pas le moment. C'est pas le moment pour les calomnies. C'est pas le moment pour les mensonges. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Vous ne pouvez pas comprendre tout ce que je vois. C'est pas le moment. L'ennemi a mis cela pour vous distraire. Il vous distrait. Il vous distrait par les calomnies, les mensonges. Réveillez-vous. Réveillez-vous.